Pierre Porcina Fuxi, première du nom, une corrida pédestre dans les rues de la ville, 8,3 km, 166 mètres de dénivelé, voilà, et on espère bien sûr, on va mettre en exergue le plaisir que les coureurs prennent ce soir-là du plaisir. C'est vrai que c'est une technique de course qui est un peu particulière, donc, puisque c'est un milieu urbain, avec des obstacles bon, à éviter, avec voilà, les terrasses de café, les chaises, etc. Mais c'est, moi j'avais fait les 10 km de Toulouse l'année dernière, et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de partager, parce que c'est vraiment super. Tu es embarqué assez tôt dans cette aventure, puisqu'on m'a demandé de créer l'affiche pour cette course. Je ne sais pas si vous l'avez vue, ou peut-être sans être diffusée. Très belle affiche, n'est-ce pas? Et donc tu fais la reconnaissance à vélo? Et alors oui, moi la particularité c'est que je vais participer à cette première reconnaissance, mais à vélo, parce que je ne sais pas, soyez honnête, je ne sais pas courir. C'est la confrérie de la saucisse de foie qui a décidé d'organiser cette course et qui m'a donc mandaté en quelque sorte. Donc c'est vrai que le thème c'est le cochon, voilà, et il y aura des lots de charcuterie bien sûr, il y aura le meilleur déguisement aussi, on espère que les coureurs vont jouer le jeu, il y a un joli lot, il y a un jambon pour le gagnant du meilleur déguisement, voilà. Alors les inscriptions sont ouvertes déjà? Ouais, il y a les inscriptions en ligne sur le site porcinafuxi.fr, il n'y a pas de souci, sinon on peut faire traditionnellement en envoyant le courrier à voilà, y a l'adresse pour Gabriel Fauré. Voilà. Ouais. Donc, l'ambition, c'est de réunir combien de coureurs? L'ambition, la limiter de façon nécessaire, c'est un impératif, 250 coureurs, on ne peut pas faire plus cette année, on verra l'année prochaine si ça marche bien. Bon, là, pour l'instant, on a une centaine d'inscriptions en ligne, ce qui est satisfaisant, on pense arriver à 250, je pense qu'on va les faire. Voilà. Et ce sera une bonne chose, 250, c'est bien. Ce soir, on est en reconnaissance. Oui. Ça consiste en quoi? Ce soir, c'est faire un peu de publicité. D'ailleurs, vous êtes là, c'est bien. Merci à vous. C'est faire partager un peu que les gens puissent en parler entre eux, dire voilà, c'est bien, on s'est régalé, on a passé un bon moment, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, sous-entendu, faire découvrir le centre-ville de Foix, qui est quand même magnifique. Il y a des travaux qui ont été faits. Puis après, on est en plein. C'est vrai que les centres-villes en général, aujourd'hui, on en parle beaucoup, pas nécessairement bien. Et nous, on veut montrer une image positive du centre-ville de Foix, il y a de quoi se régaler. Rendez-vous le vendredi 1er juillet, départ 20h30, on sera en place, et puis avec un peu de stress parce que c'est la première, mais je pense que ça va bien se passer. Et merci par avance à tous les coureurs. Merci.